Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Vous avez vu le titre et je vous montre ça directement. J'en ai deux parce que, écoutez, c'est un premier épisode et c'est un premier test. Les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais ouvrir les plus petits Lego du monde. Alors, c'est pas forcément de la marque Lego, mais il faut savoir que c'est Nanoblock et ils font réellement les plus petits Lego au monde. Je vais vous montrer, on dirait pas comme ça. De toute façon, il y a une deuxième cam juste ici. J'espère que vous voyez bien. Mais donc pour vous dire, là-dedans, il y a 150 pièces, d'accord? Là-dedans, il y a 380 pièces. J'ai aucune idée du temps que ça peut me prendre. Et écoutez, j'avais envie de toute façon essayer de faire les plus petits Lego du monde avec vous. J'en ai pris deux. On va sûrement faire les deux. Non. Mais sachez que vraiment, déjà il faut que ça vous intéresse de fou cette vidéo. Il faut qu'elle vous fasse plaisir parce que il y en a qui font 600 pièces. Donc le double de ça presque. Il y en a, ils font 700, 800 pièces. Mais il y en a un qui fait bien 1800 pièces et on l'appelle le Titanic. Les frères, on l'appelle le Titanic. 1800 pièces en tout petit Lego. Je vais vous montrer. J'ai pris de chez moi une pince à épiler parce que réellement, je vais vous ouvrir le premier sachet. Et comme vous avez pu le voir, c'est un Wistikram. Regardez, je sais pas si vous voyez. On va commencer par un Wistikram parce que c'est un 150 pièces. Faut se mettre dans le bain, voir combien de temps ça m'a pris. Et après, nous avons le Golden Gate. Voilà, je le trouvais super stylé. Regardez un peu. En vrai, il est trop beau. Franchement, c'est une dinguerie. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemblent les pièces. J'ai pas de vrai Lego pour les comparer. J'ai peut-être un vrai Lego, attendez. Regardez-moi ça, les frères. Vraiment, c'est... Il y a que 150 pièces là-dedans, wesh. On a, bah, du coup, tout simplement le mode d'emploi juste ici. J'espère qu'il est lisible, hein. Tu sais que ça fonctionne bien, tout ça, tout ça. Donc voilà, il y a le mode d'emploi qui est aussi le plus petit du monde, hein, je crois. Il tient en une seule page pour des Lego 150 pièces. Tranquille, frère. Écoutez, je vais chercher... Je vais essayer de vous chercher un Lego pour comparer. Écoutez, j'ai fait le tour de tout le 105, j'ai pas d'autres Lego ici, mais vraiment faut me croire que c'est vraiment tout petit. Regardez dans ma main la taille d'un Lego. Mais écoutez les frères, je crois que je vais tout déballer et je vais tous trier par couleur et par pièce, hein. Mais de base j'ai voulu le faire en live sur Twitch, ça vous voyez. J'ai voulu là être actuellement en live, sauf que trop de chance pour les viewers, bah, j'ai pas su lancer le live parce que les caméras j'arrivais pas à les mettre correctement sur OBS. Et du coup bah j'ai pas pu lancer de live, donc tant mieux pour vous parce que ça aurait été long. Et en même temps c'est pas une si mauvaise idée, hein. Et en parlant de live, si vous voulez vous pouvez rejoindre du coup ma chaîne Twitch où je live plusieurs fois par semaine, etc. Et ça me fait vraiment plaisir si vous venez de là. Et n'hésitez pas, on joue à plein de jeux différents et franchement c'est plutôt cool. Rejoignez, c'est en description. Allez, c'est qui part, on continue notre bail, hein. On peut commencer à presque s'amuser, les frères, je crois. Là, ça y est, j'ai fait mon petit tri. Alors, vous voyez pas tout, vous, de votre POV, je crois, là-bas. Mais, ah si, en vrai, vous voyez tout. Mais, le tri est fait. Et je vais commencer, du coup, le plan, quoi. Hop, là, bah, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il me faut 3 de comme ça. Il m'en faut 3. Et du coup, je viens mettre... Et voilà, j'ai fini Draco Feu. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me satisfait un petit peu, tu vois. Pour moi, c'était pas trop de la souffrance et de la douleur. Mais je crois que j'ai déjà fait n'importe quoi, frère. Oh non, mais c'est les L, en fait. Putain, il fallait pas que je... Oh, les frères. En fait, c'est pas les carrés, c'est les L que je dois mettre, fils de... Mais comment tu veux que je fasse ça correctement? En vrai, heureusement, j'ai vraiment une pince à épiler, hein. Non, mais c'est un travail de précision et de longueur, tout ce que j'adore. Allô? Yes, I, bah ouais, évidemment, ça va être long, frère. Non. Déjà? Écoutez, les frères, vous devez vous abonner à cette chaîne, évidemment, si vous kiffez ce genre de vidéo, tu sais, un peu longue pour moi. Et à mettre un pouce bleu et à vous abonner, tout ça, hein, ça me fait plaisir. On continue parce qu'on est à la 7ème pièce en 21 minutes de rec, hein, quand même. En vrai, ça commence à ressembler à rien. En vrai, c'est cool, hein. Franchement, regardez, petite évolution. Étape numéro 3. Ça ressemble à rien. Ça fait plaisir de fou. Là, il va falloir les brins. 1, 2, 3 et 2, 2. Et là, il me faut une grande barre. Et vous, vous tapez des grosses
Allez, des gros... Oh, non, bah, arrête, pas des grosses queues, c'était des grosses barres. Putain, t'es con, putain, t'es chiant. Étape 3 finie. Ça tient pas, hein, qu'on se mette d'accord là. Pour le moment, c'est un peu... Ça fait peur, ouais. Hop là, allez, on continue. En fait, dites-moi, là, je sais pas, on est à quel moment de la vidéo, si on est à la moitié, à moins de la moitié, à plus de la moitié. Je sais pas si j'en fais un, si j'en fais deux, et ça risque d'être bon sa mère. Tu sais, dans l'intro, quand je vous ai parlé du Titanic, là. Mais il y en a un qui fait bien 1800 pièces, et on l'appelle le Titanic. Bah, venez, venez, on fait quelque chose pour pas le faire, genre. Vous avez pas envie, de toute façon. Non, dites-moi dans les commentaires, hé, j'ai pas envie que tu fasses le Titanic. Juste, s'il y a 20 000 likes, tu le fais. Je fais pas 20 000 vues sur cette chaîne, d'accord? Donc, je ne ferai pas 20 000 likes, j'espère. Mais c'est bien, je suis fini le 6, bravo à moi, merci, bah avec plaisir. En vrai de vrai, faut quand même être lucide, hein, les frères, pour le fait de pas bourrer par exemple, c'est déjà une très mauvaise idée d'être bourré, mais en plus de faire ça bourré, ça ne fonctionne vraiment pas. Je vous le déconseille, que déjà sobre, c'est pas facile, mais alors, vous vous imaginez sous drogue? Non, arrêtez, faites pas ça. Par contre, voilà, venez, on se fait un petit check-up, parce que là, les frères, j'en ai besoin pour mon ego aussi, que vous dites que c'est cool en commentaire. On est à l'étape numéro 8 maintenant, et regardez un peu là. On dirait pas comme ça, hein, mais il y a du travail là. Et en plus que je suis content avec cette vidéo, au-delà que, en vrai, l'activité est vraiment cool, c'est que je crois que j'ai pas vu grand monde faire ça sur YouTube. Franchement, ça me fait plaisir. Alors, je comprends pourquoi, hein, personne ne fait ça, mais en tout cas, moi, je vous le propose, ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. En vrai, c'est bien, il y a une étape où des fois, c'est deux Lego. Et ça, what a pleasure, hein. Et il faut le retourner et lui mettre des chaussures. Non, turn de body over. Mais non, mais ça, je l'ai. Et pourquoi on fait pas ça au début, genre les frères, en vrai de vrai, genre. Bon, la pièce c'est pas forcément compliqué, mais non, si c'est vraiment les yep, les frères, il est vraiment super petit, ce putain de ce petit singe là. Oh, c'est Wistikram là. Théma, si là on a fait le corps, oh, en plus, je crois qu'on a vraiment fait le bas du corps. Théma, un peu le bail, je sais pas si vous voyez bien, mais on a fait le corps. Regardez comment ça tient dans ma main. Genre, je peux fermer la main et ne plus avoir de Lego. Non, c'est une dinguerie. Non, vraiment, c'est vraiment petit. Hein. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais là, c'est ma main, elle est petite. Genre, je chose du 42, c'est pas grand, tu vois. Non, mais maintenant, il a la queue trop lourde. Putain, un gourmand va. Ah, on va partir sur autre chose. Ah, mais je pense que les frères, en vrai de vrai, j'ai fini le corps. Je vois, je passe à une autre étape, c'est la teutée. Oh la dinguerie, j'ai fini. C'est petit, hein. J'espère que ça va bien tenir avec le corps. Écoutez, la partie là, je vais la mettre sur le côté. Au moins, on aura le résultat final juste plus tard. Et non pas juste après, parce que ça, c'est pas ça qui va se passer. Je pensais que la pince à épiler, quand on m'a dit « Prends une pince à épiler », c'était pour rire, tu sais. Non, en vrai, c'est un peu utile tout de même. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que je suis pas du tout expert en Lego. Du coup, je crois que des Lego, j'en ai fait un dans ma vie. Donc, et encore, j'avais 5-6 ans. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué de l'égoïsme. Alors, l'égoïsme, si, ça, je le fais souvent, mais je veux dire le Lego. Allez, on continue. Hop là, il me faut les L. Un peu satisfaisant de les prendre avec cette merde. Ok, j'ai capté, c'est bon. Étape 12, finito, là. On a plus de la moitié et on commence la teuter là. Ah ouais, mais fallait comprendre le bail quand même, hein. Putain. Ok, donc là le pif on le laisse un peu. On va prendre noir. Point noir. One eternity later. J'espère à l'étape 24 ils me remettent mon dos, tu sais. Vous aimez ce genre de contenu un peu ASMR ou... Super ASMR ça. Ce contenu un peu chillax où on discute pas trop parce que tu sais on est dans une vidéo, hein, moi je vous entends pas et tout. Mais voilà, on fait une petite activité manuelle. On avait fait de la poterie il y a pas longtemps, vous avez kiffé. Du moins j'ai vu en termes de retour. Vous étiez assez content. Vous m'avez proposé même de faire de la mosaïque. Peut-être, j'en ferai. Ça reste flou, hein, ce que je raconte. Pou 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 pou. Complètement craqué, quoi. Le frérot est complètement Warda ou... Putain, cette vidéo elle doit être lourde. Genre vraiment, tu sais, genre ça doit être pesant, quoi. Pas lourd, genre elle est dark. Genre elle est pesante, elle est... Ah, on souffle, hein. Et là, une barre de 4. Mais par contre, on commence vraiment à avoir la teutée, hein. Je sais pas si vous voyez un peu le bail. On commence à avoir la teutée, les frères. Et ça me fait plaisir parce que ça fait 1h05, sachez-le, d'accord. Et j'arrive au 18e. Peut-être ça, on fera un épisode 2 dessus, du coup, si ça vous dérange pas. Et on fera un épisode 3.
3 encore plus gros à 600 pièces et un épisode 4 où on fait un Titanic genre. Mais on fait step by step. Ou non, j'allais dire je pourrais le faire à plusieurs, mais là ça fait vraiment le concept de Amixem genre. Mais les plus petits Lego, ça il a pas fait hein. Ça je l'ai regardé sur sa chaîne et il m'a rien dit, mais j'ai vu que c'était il l'avait pas fait. Alors on continue et on ferme sa gueule, d'accord? Les frères, on s'y approche, hein, je vous avoue. Je vous avoue que les frères, en vrai, là, il me reste 3 étapes. Et les 3 étapes, c'est genre 3 pièces. Alors que oui, on en voit encore beaucoup. Mais je pense qu'ils ont mis des doubles. Ils ont capté, ils faisaient les plus petits trucs du monde. Et du coup, relou pour bien faire ça, tu vois. Du coup, ils ont mis plus de pièces. Mais ça me rassure de fou, les frères. Parce que ici, il me reste cette pièce-là. Genre, hop, on la met juste là. Puis il nous en reste encore une. Juste là. Mais on est à l'étape combien? 21. Il en reste 2. Il en reste. Je veux pleurer. Pardon. Excusez-moi, c'est trop l'émotion ou... Hop, ici. On est à l'étape 22. Il nous reste la 23e étape. Et vous la connaissez, cette 23e étape. Là, je suis un peu stressé, là, je vous avoue. Et les amis, la dernière étape. Ça que je veux pas rester. Non, je suis en train de tout démolir. Parce que je veux tout resserrer. Alors que c'est pas comme ça on fait. Il faut que je vous montre avant que tout s'effondre. Les amis, regardez-moi ça. On l'a fait. Le Wistikram, mais quelle dinguerie. En vrai de vrai. Je vais pleurer, il tient pas de boost, fils de pute, let's go. Putain, mais... Ah, pardon, je suis obligé d'insulter. Hein. Quand ça fait... Ça fait combien? Ça fait 1h10, les frères, que je fais un putain de 150 pièces, d'accord? Énormément trop. Hein. Vas-y, c'est bien fait, mais... Toi, déjà, il tient pas debout. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment la grandeur du truc. Bah, ça tient dans ma main. En vrai, franchement, faut être un ouf pour pas capter. Dans ma main, genre, il tient, quoi. Regardez, il fait une demi-main, et pas une demi-molle, parce que ça a rien à voir. Je vais appeler Alicia, parce que j'ai Alicia qui est en stage ici, et Alicia fait des Lego. Genre, elle adore ça. Alicia, tu peux venir, s'il te plaît, merci. Si, si, ça, c'est les pièces en trop. Ça, c'est les pièces en trop. Mais si, c'est vrai, j'ai suivi le plan, quoi. Et je vais te le montrer. Vas-y. Déjà, il rentre dans ma main. C'est incroyable. Tu te rends compte, c'est une dinguerie. Attends. Ouais, t'as le voir. Oh non, il est trop mignon. C'était dur, sa mère, wesh. Non, non, parce que Mimi, sa queue, elle s'en va, ce fils de pute. Non. Mimi, il casse les couilles. Mais la dinguerie. En vrai, c'est quand même stylé. Hein. Et t'as vu comment ça tient dans ma main? 150 pièces. Hein. En vrai, c'est pas trop dur à mettre et tout, mais voilà, quoi. Trop pipou. Non, épisode 2, hein. Ouais. Bah ouais, épisode 2, les frères. Vous en pensez quoi? D'un épisode 2 tout de suite. Pas tout de suite pour moi, mais non, en vrai, dites-moi dans les commentaires. J'avoue, j'ai mis 1 heure, je m'attendais pas à ça, ouais. Ouais, mais 150 pièces, ça va, je croyais. Mais 150 pièces, en plus de ça, à la pince épilée. Ah, c'est vrai que ça fait Mais c'est bien, ils ont compris leur modèle système. Que leur Lego, ils pouvaient se perdre facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Par contre, en vrai, il est quand même vraiment stylé. On va le mettre. J'ai senti. Faut que je fasse la miniature avant de l'exploser, par contre. Je fasse la mania de fou. Ciao.